petite confidence. Didier Deschamps, que je vois 6 mois plus tôt, 8 mois plus tôt, à Londres, lors de cérémonies, tout ça, je lui dis, on parle de ça, on parle de la future Coupe d'Afrique, de ce qui allait nous arriver. Et lui me parle de son expérience de la Coupe du Monde. Et moi, je lui pose la question, je lui dis, durant cette Coupe du Monde, quand même, vous avez été assez défensif. Quand vous mettez Matuidi couloir côté gauche, alors que vous avez Lemar, vous avez Fekir, vous avez beaucoup de joueurs, Dembélé, et vous faites jouer Matuidi côté gauche, à ce moment-là, on se dit que c'est plus un système défensif, c'est plus truc. Il me dit, et en plus de ça, on vous a joué assez bas, tout et tout. Est-ce que c'est ce que vous aviez prévu? Il me dit, jamais. C'est par le Deschamps qui a été champion du monde. Il me dit, non. C'est pas ce que j'avais prévu. Moi, ce que j'avais prévu, c'est qu'on aille. J'aime pas ça. J'aime pas subir. J'aime pas. Je préfère aller chercher les joueurs. Mais les joueurs ils se sentaient forts là-dessus. Et il m'explique une anecdote. Il me dit que Griezmann lui dit, coach, on se sent bien, on est fort là-dessus. On est fort comme on est là, en étant plus bas pour contrer. En plus, eux, ils ont les joueurs pour, avec Mbappé et tout ça. À un moment donné, les acteurs principaux, c'est le joueur. C'est ça qui c'est là où les entraîneurs des fois se trompent quand ils pensent qu'ils se mettent en avant. Quand ils sont sur le terrain, c'est fini, tu peux plus rien faire. Tu peux modifier, tu peux changer 3 joueurs, tu peux truquer. Mais à un moment donné, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est eux qu'on se ressentit là.